sommes vraiment très heureux que Jour de Sport vienne à Gap avec la Société Européa parce que, vous savez, la vocation de ce département des Hautes-Alpes et en particulier de sa métropole Gap est très orientée vers le sport. Je trouve que c'est une excellente vitrine du sport national, du sport départemental et je suis ravi que la ville de Gap ait pu l'accueillir. Bon, c'est magnifique. Je pense qu'il s'agit d'une très très bonne initiative, dont c'est la première. C'est vrai que c'est une belle organisation. Ça va permettre à toutes les catégories, à tous les âges, de venir ici dans ce parc de la Pépinière pour pouvoir profiter des démonstrations et pour pouvoir pratiquer. Ça fait profiter tous les jeunes, découvrir le sport, pas traîner dans les rues, déjà c'est une très belle chose. Ça permet à tous les jeunes de découvrir des sports gratuitement en plus. Et voilà, c'est génial. Les enfants, ils aiment ça. C'est très bien. C'était super. C'est marrant, on s'entraîne, il y a aussi du sérieux, tout ça. Parce que ça nous montre au moins les épreuves qu'on n'avait pas fait avant. Avant, je connaissais pas le rocheball. Ça permet de voir un certain nombre de sports qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et maintenant, je le connais. Je trouve ça génial. Et je veux dire merci. C'est déjà les échos que j'ai, c'est une réussite. C'est très intéressant, c'est très sympa. C'est la fête, c'est le carnaval. C'est une très très bonne expérience qu'il faudra sûrement renouveler. Ça nous incite à réfléchir, à continuer peut-être cette manifestation qui est importante et qui regroupe quand même tous les comités des Hautes-Alpes. C'est vraiment une riche initiative. Il faut espérer que les partenaires continuent à nous suivre. Je dis continue parce qu'ils nous ont suivis cette année. Et avec tout ça, je crois qu'on pourra encore faire de très très grandes choses. Jour de sport, c'est bien parti.